La MO Passage, c'est un service d'aide aux enfants, aux jeunes et aux familles dans leur milieu de vie. Et donc on développe tout un travail proactif pour aller vers les familles là où elles se trouvent. On fait du travail de rue, des animations de quartier, des animations dans les écoles pour aller à la rencontre des familles. Et on leur propose deux types de choses, un accompagnement individualisé pour toutes les démarches sociales ou éducatives, pour toutes les questions qui concernent les enfants et les jeunes dans leur parcours de vie. Et on leur propose aussi des activités plus collectives. Là, on travaille avec des groupes d'enfants, de jeunes et de parents dans plein de projets différents. Grâce à l'argent récolté, on va pouvoir organiser une journée des familles. Donc, l'idée de cette journée des familles, c'est d'organiser un moment convivial au sein du quartier et de proposer une panoplie d'activités qui contribuent au développement de l'enfant, à sa socialisation, mais aussi à la rencontre entre des parents, à la rencontre entre des familles et surtout tisser des liens entre des intervenants et des familles, de renforcer ces liens-là, parce qu'on travaillera plus facilement par la suite ensemble. Et ça aura lieu le 26 novembre. Le 26 novembre, exactement. Il y aura de la peinture, un spectacle, un atelier philo, un coin jeu de société, un atelier cuisine, tout plein d'activités, et tous les ateliers sont gratuits. Après avoir complété notre petit projet en ligne, on a vraiment mobilisé notre réseau. D'ailleurs, on s'est rendu compte que toutes les personnes qui ont contribué au projet, ce sont des personnes qu'on connaît, qui font partie de notre entourage. Donc on a diffusé via les réseaux sociaux, on a fait un mailing, on a fait circuler également. Ben, chacune personnellement dans nos services, on a aussi diffusé à nos réseaux plus personnels. Et voilà, c'est comme ça que par le bouche à oreille, ça s'est diffusé beaucoup via les réseaux sociaux.